Le comité peut les remercier. Donc, le record des femmes à 27 mètres 10, je vais appeler Carla et Stéphanie. C'est pas moi qui a marqué ça. T'as crié en flamand ou quoi? La troisième place, il s'excuse de ne pas être présent, mais c'est Lenny, je pense qu'il va venir. Est-ce que je pense qu'on devrait, avant tout, je pense qu'on doit avoir un verre du comité, je pense. Ah ouais? Parce que les gens, ils commencent à faire soif. Hein. Ah ouais? Je pense qu'on a un verre du comité ici à chaque fois qu'ils montent. Moi, c'est nous garder une rosée, une bière, Maggie, une bière, un pinch et des femmes. Et des femmes. Un vin blanc et un rosé, je ne sais pas trop. Mais bon, si on peut avoir un petit verre, Laurent, c'est bon? Ça ne dérange pas Laurent, tu mets sur la note à Laurent. Et à la troisième place, pour les hommes, et couple mix, quoi qu'il arrive, Matteo et Fabio à 46 mètres 60. Donc c'est Lenny qui va nous chercher. Et c'est un père qui va nous voir. Une nouveauté pour lui et pour JB, il y a l'habitude. C'est JB et Chris. À 54 mètres 15. Chris, pour sa première fois, et je pense qu'on peut applaudir parce que c'est sa première fois. Et il m'a dit je reviens tous les ans, il n'y a pas de souci. Et dès le premier parcours, comme voulait dire David, ils ont mis les choses au clair, ils ont mis qui sera le plus fort entre guillemets. Et donc Cédric a acheté, je pense, trois œufs sur le premier parcours. Et il a mis un score à 54 mètres 50 qui n'a jamais été battu sur les œufs lancés qui ont suivi derrière. Donc on peut les applaudir bien fort. Malheureusement, Cédric est en absence, mais je pense, maintenant il est là, allez, je parle de lui en plus, heureusement j'ai pas de nouvelles. Mais qu'on se le dise, hein, je pense honnêtement que si Cédric restait tout le concours, je pense qu'on était passé à plus de 54 mètres 50 parce que d'habitude il joue avec moi aussi, hein, il fait une équipe avec moi, mais là il me serre la main, mais je vais accepter, t'es un salaud. C'est David Costo, ils ont mis les choses au point d'entrée. Et je pense que l'année prochaine, on aura un beau concours avec toutes les personnes qui ont lancé aussi. On a Chris qui va revenir l'année prochaine. On aura Cédric, on aura Fat qui n'était pas là non plus. On a Patrick qui est un habitué aussi et qui s'est bien chez moi. Et donc je pense que si l'année prochaine, on a tous ces lanceurs, je pense qu'il y a beaucoup de régions, beaucoup de communes, pardon, qui peuvent faire des concours de lancer deux. Mais je pense qu'à Colline, on a quand même des sacrés lanceurs, des sacrés rattrapeurs. Et il ne faut pas oublier une certaine chose, c'est que le concours est ouvert à tout le monde. Et il faut juste ne pas oublier d'arriver au premier parcours, parce qu'on a eu certaines personnes qui ont demandé de nous rejoindre. Mais en termes de qualification, il fallait arriver sur le premier parcours. Donc je pense qu'on peut applaudir les grands vainqueurs. Et de frère, ils sont à domicile. Félicitations.